Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon book haul partie 2 du mois de mai. Donc c'est mon book haul spécial deuxième partie du mois et aussi anniversaire parce que c'était mon anniversaire à la toute fin du mois de mai. J'ai reçu quand même quelques livres. J'ai aussi un unboxing pour vous à la toute fin de cette vidéo-ci. Je vous préviens d'avance, ça risque d'être quand même très long parce que j'ai des grosses piles de livres à côté de moi, en plus du unboxing. Oh mon doux! Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vous dis, si vous voulez aller vous prendre un café, un thé, quelque chose à grignoter, allez-y parce que ça risque d'être quand même assez long. Je commence tout de suite avec un premier livre. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans mon unboxing surprise que j'avais fait il y a quelques semaines. Il s'agit de Fallen Too Far d'Abby Glines que Virginie de la chaîne de MM27 m'a envoyé très gentiment pour mon anniversaire. Donc je te remercie encore une fois Virginie, c'est super gentil de ta part. T'étais vraiment pas obligée, mais je l'adore. Ma collection est maintenant complète. Oh mon doux, je suis très heureuse d'avoir eu ce livre-ci. Oh mon doux, il me manquait juste celui-là. Il me manquait juste lui. Bon, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le lien pour aller voir le unboxing de ce petit livre-ci. Donc j'étais quand même très excitée quand j'avais reçu ce livre-là parce que c'était la première fois que je recevais quelque chose à partir de ma wishlist Amazon. Donc j'en revenais juste pas. Je me disais, oh mon dieu, quelqu'un m'a envoyé quelque chose, j'en reviens juste pas. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Les prochains livres que je vous présente, il s'agit d'une commande Book Outlet que j'ai passée environ à la moitié du mois de mai, à la mi-mai. Je vous avais posté une photo sur Facebook et beaucoup de personnes avaient dit quand est-ce qu'on va voir le unboxing de cette boîte-là, en fait. Et finalement, il n'y en a jamais eu parce que j'étais juste trop épuisée cette journée-là pour tourner un unboxing. Ça ne tentait pas de m'arranger non plus vraiment. Et puis j'avais vraiment un super gros mal de tête, donc bon, voilà. Tout à fait que j'ai pas pu tourner de unboxing pour cette boîte-là, mais je vais me reprendre, j'espère, avec la prochaine et aussi avec celle à la fin de cette vidéo aussi. Donc, trêve de blabla, le premier livre que je vous présente, il s'agit de Boundless de Cynthia N, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Honestly. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez vous dire, Tania, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà! Donc voilà, j'ai une copie hardback et paperback. Et l'explication que j'ai à vous donner, c'est que cette copie-là n'est pas pour moi. Voilà. Je vous le montre quand même dans mon book haul parce qu'il était dans ma commande. Mais ce n'est pas pour moi cette copie-ci parce que moi j'ai ma copie hardback qui va avec mes deux autres et qui est autographiée en plus. Le prochain livre, c'est encore une fois Virginie de la chaîne de MM27, donc je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos, évidemment, hein? Ça fait deux fois que j'en parle. Voilà, c'est elle qui m'a tenté d'acheter ce livre-là parce qu'elle vient tout juste de le... Elle venait tout juste de finir de le lire en français, en fait, elle me disait « Il faut absolument que j'aille la suite. » Bon, ok. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais l'acheter en anglais parce qu'il était sur Book Outlet depuis un petit moment. Donc, il s'agit de « Lead Me Not » de A. Meredith Walters. En français, c'est le premier tome de la série... Sous influence, je crois, je vous mettrai ça à quelque part autour de moi si je me trompe, mais c'est la duologie Twisted Love, ça je suis pratiquement sûre et certaine à 99,9% que c'est cette série-là. Donc voilà, c'est une autre série d'une auteur que j'avais lu quelques mois, en début d'année 2015 en fait, que j'avais beaucoup aimé cette duologie et cette fois-ci ça parle d'addiction à la drogue au lieu de maladie mentale. Donc franchement cet auteur-là fait vraiment dans les sujets assez sombres, mais j'ai tout de même bien hâte de découvrir ce livre-ci. Oh mon doux, le prochain livre là, c'est un livre que je voulais depuis beaucoup trop longtemps. Je le voyais passer sur Book Outlet, puis il n'y en avait jamais assez de copies pour que je puisse passer une commande à temps. Et cette fois-ci, j'ai réussi. Voilà, et en plus j'ai eu un rabais. C'est vrai, je ne vous l'ai même pas dit, mais j'ai passé cette commande-là durant le week-end de la fête des mères, voilà. tout sur le site était à 25% de rabais, donc j'ai quand même bien économisé pour cette commande-ci. Je crois que ça m'est revenu pour 8 livres à environ 40-45$. Approximativement, donc c'était vraiment pas si mal. Donc voilà, je reviens à mon livre. Il s'agit de Amy Ann Rogers Epic Detour de Morgan Matson. Donc voilà, j'ai tous les livres de cet auteur-là, même ceux sous son nom d'emprunt qui est ici, j'espère que vous allez le voir. Mais bon, donc voilà, j'ai tous les livres de cet auteur-là. J'en ai un ici, un autre ici, un ici et un ici, voilà. Et je n'en ai lu aucun. Je les ai tous pris sur Book Outlet, et voilà. J'espère que je vais apprécier, mais celui-là c'est sur un road trip.
Voilà, j'ai toujours de la misère à dire ça. Voilà, road trip. Voilà. C'est sur ça. Et puis, je suis certaine que j'avais adoré. Et en plus, je voyais à chaque fois les personnes qui montraient l'intérieur du livre parce qu'il y a des photos, des cartes, toutes sortes de choses. Bon, je vais vous en montrer. Puis évidemment, il faut que je tombe sur quelque chose. Bon. Voilà, il y a des playlists aussi, donc je vais me faire un plaisir d'écouter ça en lisant ce livre-ci. Ensuite, un autre livre contemporain, YA, il s'agit de Whatever Life Throws at You de Jillie Cross. Donc c'était un livre que j'avais vu quand il était sorti, je crois que c'est en 2014, je suis pas très très certaine, mais voilà. Il me tentait bien, et puis quand je l'ai vu sur Bookatlet, je me suis dit, il faut que je le prenne. Ensuite, je tombe dans les romans hardback. Donc, le premier hardback que je présente, c'est Infinite de Jodi Meadows, le troisième et dernier tome de la trilogie Incarnate. Oh, je ne suis plus certaine. Bon, je mettrai ça à quelque part, comme d'habitude, autour de moi pour les précisions. Donc, ça faisait très longtemps aussi que je surveillais l'arrivée de ce livre-ci sur Bookatlet. Il y en avait toujours juste 2-3 copies, puis j'avais jamais assez de livres dans mon panier pour passer la commande. Cette fois-ci, il y en avait assez. Ben, en fait, il y avait encore juste 2-3 copies, mais ça a donné que, voilà, j'ai passé ma commande là, et il y en avait. Donc, ça a vraiment super, super bien donné pour ce livre-ci. Ensuite, je vous en montre d'autres. J'ai aussi commandé Uninvited de Sophie Jordan, qui est le premier tome d'une trilogie? Duologie? Je ne suis pas certaine encore une fois. Mais si je me souviens bien, ce que j'en avais entendu, c'est que ça parlait qu'on pouvait détecter le gène du tueur. Je ne suis plus certaine, mais je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Oui, on peut détecter le gène du tueur chez une certaine personne et cette jeune fille va bien évidemment avoir ce gène-là. Donc j'ai bien hâte de découvrir ce qu'il y en est pour ce livre-ci. Avant-dernier livre de ma commande, Bookatlet, c'est en fait un achat que j'ai fait sur un coup de tête parce que je venais tout juste de le voir quand j'étais allée en librairie acheter The Air. Donc j'avais fait un vlog là-dessus, je vous en avais parlé aussi dans mon précédent book haul. Et je venais tout juste de voir, je l'avais feuilleté, je me disais, mon doux, ce livre est tellement magnifique. Et comme par hasard, ben, il y en est apparu quelques copies sur Bookatlet, donc moi je le prends. Voilà, il s'agit de The Shadowhunters Codex de Cassandra Clare et Joshua Lewis. Donc c'est le guide de tout ce qui est la série The Mortal Instruments et The Infernal Devices. Donc les deux séries de Cassandra Clare qui ont eu tellement tellement de succès. Et ce livre-là est juste parfait, je l'adore et en plus je l'ai lu à rabais. Voilà, c'est vraiment un livre qui est juste magnifique. Et oh mon doux, avez-vous vu ça? C'est magnifique. Donc voilà, c'est plus l'apparence de ce livre-là qui m'a... Voilà, qui a fait que je le voulais. Il y avait aussi la copie, parce qu'il y a une copie noir et blanc qui existe de ces livres-là. Moi, j'ai bien évidemment la copie noir et blanc. Mais il y avait aussi la copie couleur qui était disponible sur Bookatlet. Mais là, je me suis dit, c'était 18$, même sur Bookatlet, parce qu'il est quand même presque 30$, je crois. Donc, 25-30$ à plein prix, en fait. Et puis, c'était quand même 18$, je me suis dit, bon, je suis pas fan à ce point-là. Je vais le prendre, mais en noir et blanc. Dernier livre de ma commande, Bookatlet, c'est un livre que... Bon, c'est un livre, hein. Évidemment, c'est un livre, voilà, ce sont tous des livres. Je ne sais plus ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc voilà, c'est un livre que j'avais vu passer encore quand même quelques fois sur le site. J'avais adoré la trilogie d'origine de cet auteur-là que j'avais lu il y a quelques années. J'avais vraiment adoré. Donc j'ai décidé de prendre Snake Root de Andrea Kramer, qui est en fait la suite de la trilogie Nightshade. Non, mais en fait, c'est le tome 4. C'est une toute nouvelle trilogie. Sauf que ce livre-là, ben, je ne sais pas encore s'il va avoir une suite un jour, donc je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher, c'était un hardback, et avec le 25%, il m'est revenu à moins de 3$, donc hein. Voilà, je l'ai pris, mais c'est sûr et certain que je ne lirai pas tant que je serai pas sûre et certaine que les deux autres tomes de la trilogie vont sortir, parce que je l'ai feuilleté un peu et j'ai lu un petit peu la fin, bon, lu c'est vite dit, mais quand même, et ça paraît que ça finit sur un cliffhanger, donc... Voilà, je ne lirai pas ce livre-là tant que je ne serai pas sûre que les autres vont sortir. J'étais un petit peu déçue pour celui-là parce qu'il est arrivé quand même assez abîmé. Ben, assez abîmé. Dans mon langage à moi, c'était assez abîmé. Donc, oups, je vous fais bouger, désolée. Non, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a le haut et le bas ici du livre qui sont quand même un peu abîmés. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais avec la couverture, les petites taches blanches, c'est comme si...
c'est pas voulu, là. C'est vraiment comme si des petites parties de la couverture avaient été arrachées. Et voilà, il est pas en super bon état. Les pages sont vraiment, vraiment jaunes, voilà. Donc, je pensais écrire un mot à Book Outlet, au site de Book Outlet, pour me faire rembourser ou avoir un rabais ou quelque chose du genre, ou en avoir un autre, tout simplement. Mais j'ai décidé que non, finalement, je l'avais eu à rabais. Je suis même pas certaine de lire, j'y tiens pas tant que ça, finalement, donc voilà. Ensuite, les prochains livres que je vous présente. Je vous avais parlé dans mon précédent bookclub, dans la partie 1 du mois de mai, en fait, vous avez vu que j'étais partie à la chasse aux occasions pour tous les livres de la série Outlander de Diana Gabaldon. J'avais réussi à trouver les tomes 2, 3, 5 et 6 en occasion à 3$ chacun. Et je suis allée voir dans une boutique d'occasion, aussi de livres d'occasion, qui sont pas vraiment très très chers. J'étais déjà allée une fois, j'en avais parlé, je vous avais dit qu'il y avait des livres du plancher jusqu'au plafond et que je pourrais passer une journée dans cette boutique-là et j'en verrais jamais debout. En fait, donc des livres. Donc je suis allée voir spécifiquement pour trouver les livres de Diana Gabaldon et j'en ai trouvé 3. Oh, j'étais super contente. Je crois qu'il y en avait un ou deux sur les étagères. Mais j'ai demandé à la dame et puis elle est allée voir dans ses cartons en arrière de la boutique parce qu'il n'y a même plus de place sur les étagères pour tous les mettre et elle en a trouvé un autre. Donc, joie! Et j'étais super contente parce que c'était les éditions que je cherchais. Donc, je vous montre ça. Elle m'a trouvé, c'est celui-là qu'elle m'a trouvé à l'arrière, donc il m'a trouvé le tome 1, le chardon et le tartan quand même en très très bon état. Les coins sont un petit peu, bon hein, c'est ça, ça a été lu, mais sinon je suis très très contente de l'état de ce livre-ci. Ensuite, j'ai aussi pris les tambours de l'automne, celui-là c'est comme, c'est nickel là, l'état là, je pourrais même dire qu'il est neuf. Je sais pas s'il a déjà été lu, franchement. Il est en excellent, excellent état. Bon, il y a le nom de quelqu'un à l'intérieur, donc à mon avis, il a été lu, mais juste une fois, sinon, hein, voilà, il est en super, super bon état. Donc, c'est le tome 4 de la série. Oh! Mon dos! Tout est tombé. Ouais, je vais ramasser ça. Et finalement, le troisième et dernier livre que j'ai trouvé dans la série Outlander, il s'agit de Un tourbillon de neige et de cendre, partie 1, qui est le tome... Je sais plus, avec les tomes qui sont divisés en parties 1 et 2 à partir du tome 5, mais là ça vient vraiment vraiment mélangeant. Mais je crois que c'est le tome 7 en fait, c'est en anglais c'est le tome 6, voilà. C'est la première partie du tome 6 en anglais et c'est celui qui était le plus abîmé, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez voir, mais il, le dos est vraiment cassé, voilà, mais que voulez-vous, hein, il était pas trop trop cher, bon, il était 11$, mais quand même. Ils sont plus trouvables en librairie, donc j'étais quand même très très heureuse de l'avoir trouvé. Maintenant, il ne manque plus que Un tourbillon de neige et de cendre partie 2, qui est vraiment le plus dur à trouver au monde entier, là. C'est comme le livre le plus dur à trouver. J'ai cherché partout, je suis allée voir en librairie, il n'est plus disponible, je ne peux plus l'acheter neuf. Il manque encore aussi deux autres tomes, les deux derniers qui sont parus pour le moment, mais ceux-là sont encore disponibles neuf en librairie. Donc voilà, il me faudrait juste que j'en trouve un dernier en occasion. Et s'il faut, ben, j'achèterai les deux autres à plein prix. Ensuite, quelques jours plus tard, je suis retournée dans cette même boutique d'occasion. Oui, j'en avais pas assez. Voilà. Ce que je voulais aller faire, c'était un, aller vendre certains livres. Donc vous verrez sûrement un on-haul ou bye-bye livre, tu sais. À un moment donné, dans le mois de juin, je crois, parce que j'ai vendu quand même quelques livres. Et j'avais pas vraiment eu le temps de regarder les autres livres la dernière fois quand j'étais allée pour les livres de Diana Gabaldon. J'ai regardé un petit peu. Et j'ai trouvé deux autres livres. Donc le premier, c'est un livre que j'ai déjà. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, qui est un livre que j'ai déjà lu, que ça fait vraiment très très longtemps que j'ai, mais j'aimais pas ma copie de ce livre-là parce que je l'avais avec la première édition, la première couverture en fait, qui allait vraiment pas avec les deux autres tomes de la série que j'ai avec ces couvertures-ci. C'est surtout la tranche qui m'énervait un peu en fait, bon voilà. Mais je l'ai trouvé à 8$ en parfait état, pratiquement. Donc j'étais vraiment super contente, surtout que j'avais adoré cette trilogie-ci. C'était une des premières que j'ai lues. Oh mon dieu, j'étais trop 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 contente d'avoir trouvé ce petit livre-là pour pas trop cher et puis ben... Tant mieux, hein? Moi je vais revendre mon autre copie, puis il va m'avoir coûté pas trop cher finalement, à peine 3 ou 4$. Donc voilà. Et le deuxième livre que j'ai pris, c'est en fait ma mère qui me l'a payé, qui m'a dit je vais te faire un petit cadeau d'anniversaire en avance, parce qu'elle savait que j'avais les tomes 1 et 3
dans ma pâle, en fait, que vous avez vu dans mon précédent bocal, encore une fois. Donc, ça suit quand même, hein, quand même. Donc, voilà. J'étais pas certaine de vouloir garder ces livres-là encore, mais j'ai vu que, comme par hasard, il y avait le tome 2. Voilà, hein, je vais au moins avoir les trois premiers tomes, puis si j'ai pas les autres, ben, c'est pas trop trop grave parce que c'est pas sur les mêmes personnages. Voilà. Donc, j'ai pris L'élu de Stephanie Lawrence. Donc, voilà. C'est le tome 2 de la série Bastion Club. Donc, je vous avais présenté les tomes 1 et 3 dans mon précédent bocal. Celui-ci, c'est le tome 2. J'ai les trois premiers tomes de la série. Il est en parfait état. En fait, dans la boutique d'occasion, ils avaient tout les tomes de la série, les 9 en fait. Sauf qu'il était seulement en location pour le moment. Donc, voilà. Je me suis dit qu'un jour. Un jour, s'ils décident que ce n'est plus populaire, qu'ils décident de les vendre, je les achèterai. Ou sinon, je sais que lorsqu'on va à la vente d'entrepôt, si je peux dire, des éditions ADA, ADA, peu importe, voilà, ils en font deux dans l'année. La prochaine est au mois de octobre, novembre, je crois. Et je sais que ces livres-là y étaient et ils y étaient à 1$ chacun. Donc voilà. Donc, si je peux aller à cette vente-là, je vais prendre les 6 autres tomes. S'ils sont à 1$, ben c'est sûr que je ne résisterai pas. Ensuite, ce sont mes cadeaux d'anniversaire. Donc, ma mère m'a acheté 5 livres. Donc, voilà. En fait, je savais déjà 4 des 5 livres qu'elle allait m'offrir. Parce que quand elle a vu que je me mettais à acheter tous les livres de Diana Gabaldon, et je les achetais, et je les achetais, et je les achetais, et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que l'édition Libre Expression était en train de rééditer les livres de la série, comme en France chez J'ai lu en fait. Et puis, je me demandais si j'allais acheter les nouvelles versions, parce que c'était quand même assez cher, donc j'étais pas certaine, mais quand je m'étais mise à en trouver en occasion, je m'étais dit, bon, je les achèterai dans des anciennes versions, c'est pas trop trop grave. Sauf que ma mère, elle m'a laissé acheter tout ça, et après, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Quand elle savait déjà qu'elle m'avait acheté les 4 premiers tomes qui étaient sortis de la réédition dans la série Outlander de Diana Gabaldon. Oui. Quand elle a vu que je m'en allais en acheter des 9 en librairie à 35$ chacun, donc 70$ pour 2 livres, elle m'a dit, ben Tania, je voulais pas te dire, mais c'est parce que je t'ai acheté les 4 premiers tomes. Non mais, pas vrai là. C'est pas vrai! Si t'aurais dû me dire avant que je commence à dépenser pour ces livres-là quand tu m'avais acheté ceux-là, qui étaient en fait les éditions que je voulais au départ, mais que je trouvais trop cher pour moi pour me racheter ça. Et puis me les acheter. Mais ils avaient déjà acheté. Voilà, j'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Désolée. Donc, je vous les montre un par un. Il y a Outlander, donc le chardon et le tartan. Donc, nous aussi, on a la couverture avec. Une image de la série télé que, encore une fois, je n'aime pas, mais avec les tranches, ça ne. Pas les tranches, les dos, voilà. Ça ne paraîtra pas. Le tome 1. Le tome 2 qui est le talisman. Ensuite, j'ai le tome 3 qui est le voyage. Et finalement, le tome 4, le dernier qui a été réédité tout dernièrement, Les tambours de l'automne, encore une fois, de Diana Gabaldon. Voilà, j'aime quand même bien ces éditions-là. Ils font un peu vieilles, si je peux dire. Ils ont essayé de faire un petit effet vieillot sur les livres. Je les aime beaucoup. Je vous montre à l'intérieur. C'est écrit minuscule. Minuscule, oui. Donc voilà. Et ils sont pas très très épais, mais c'est vraiment écrit minuscule. Et j'ai hâte de voir pour le tome 5, parce que théoriquement, c'est à partir du tome 5 que les livres sont divisés en deux parties, en français en fait, chez l'édition Libre Expression. Donc j'ai bien hâte de voir ça, comment ça va être édité cette fois-ci, mais je me dis, ils sont pas très très épais, donc ça se pourrait très bien qu'ils soient édités en seulement un seul tome. Un autre livre, en fait le dernier que ma mère m'a offert, celle-là j'étais vraiment vraiment pas au courant. Ben, en fait, ça faisait longtemps que je l'attendais, mais je savais pas qu'il l'avait enfin reçu. Il s'agit d'Insatiable de S.C. Stephens, qui est le deuxième. Oui, deuxième tome de la trilogie Doubtless. Donc, j'ai déjà lu le premier tome. J'ai le troisième tome dans ma pile et j'attendais celui-ci pour finalement finir la trilogie. J'avais pas réussi à avoir le tome 2. Je le voulais à un tel magasin parce qu'il était moins cher. Donc, voilà. Donc, je le voulais absolument et il est enfin arrivé. Je suis hyper contente. Je vais finalement pouvoir finir ma trilogie.
Et finalement, le dernier livre, qui n'est pas dans une boîte, je tiens à le préciser. Donc voilà, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de After la chute, le troisième tome de la série After, voilà, du même nom, de Anna Todd. Donc voilà, c'est le troisième tome. Il est très très petit comparé aux autres tomes de la série, parce qu'on se souvient que le troisième tome a été divisé en deux tomes, voilà. Non, c'était trop gros. Je vous rappelle que les tomes 1 et 2 sont déjà sortis, et les tomes 4 et 5 vont sortir en août et septembre 2015, donc voilà, celui-ci vient de sortir à la fin du mois de mai, il y a quelques jours. Je suis en train de lire le tome 2, je crois pas que je vais enchaîner avec celui-là tout de suite, surtout que c'est juste la moitié du tome 3, en fait, on s'attend pas de finir sur un cliffhanger de la mort. Mais voilà, je suis très contente d'avoir celui-là dans ma pile à lire également. Et finalement, la partie que vous attendiez tous, en fait, moi je l'attendais, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je l'attendais parce que j'avais hâte d'ouvrir ce colis-là. Il s'agit de mon colis Amazon que je viens tout juste de recevoir. Donc voilà, j'étais sûre et certaine que j'allais le revoir, que j'allais le recevoir, voilà, demain. Théoriquement, il aurait été dans mon bocal à la fin du mois de juin, mais comme il est arrivé aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais l'intégrer parce que de toute manière, c'est une commande que j'ai passée avec l'argent, ben une partie de l'argent que j'ai reçu à mon anniversaire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas passé de commande Amazon. Donc voilà, ciseaux. Et c'est parti, j'avais jamais vu ce format de boîte là Amazon en fait. J'avais vraiment jamais vu ce format de boîte là. Vous excuserez si vous ne voyez plus rien, mais moi j'aime mieux que vous ne voyez rien et être en sécurité au lieu de me blesser. J'en vois des gens. Donc voilà, vous ne voyez absolument rien. Mais bon, hein, si j'enlève le papier, ça va être encore. La boîte est gigantesque, je ne sais pas où la mettre. On va dire que ça va être comme ça. Oh! Ok. Donc dans cette boîte-là, j'ai 5 livres. C'est une commande que j'ai passée à la fin de la semaine dernière. Donc j'ai 5 livres. Il y en a 3 là-dedans que j'ai déjà lus et 2 autres qui sont des parutions du printemps 2015. Donc ça fait pas très très longtemps. C'était des débuts, non, des suites et fins de série que j'avais déjà lu et que j'attendais impatiemment, voilà. Donc le premier livre que je vois, il s'agit de The Bitter Kingdom de Rick Carson. Donc c'est un livre que j'ai... Je vais fermer ça un petit peu. C'est un livre que j'ai déjà lu. Donc vous savez, j'avais dévoré la trilogie en entier. J'avais déjà trouvé les tomes 1 et 2 sur Book Outlet. Mais malheureusement, celui-là, ben, je l'ai jamais trouvé sur Book Outlet. Il était toujours en hardback, ça m'énervait un petit peu, donc je me suis dit, je suis tannée d'attendre, je veux finir ma trilogie, je veux l'avoir toute dans ma bibliothèque, donc j'ai acheté ce livre-ci. Le prochain livre que j'ai déjà lu, que j'ai lu le mois dernier, je crois, ou c'est toi, le mois de mai? Non, c'est le mois dernier, voilà, j'en avais déjà parlé, c'était un coup de cœur, fallait seulement que j'aie ma copie de Red Queen de Victoria Aveyard. J'avais adoré ce livre-là. Il m'a fallu en copie papier. Il est juste magnifique. Au début, j'aimais pas l'effet argenté. Et finalement, ben, j'adore, voilà. Et j'adore vraiment la couronne avec le sang et l'effet de relief. Magnifique. Et le plus magnifique, ben, c'était l'intérieur. C'était vraiment l'intérieur, voilà. On ne pouvait pas ne pas aimer l'intérieur de ce livre-là. J'adore. Je l'avais adoré, celui-là. Très basique, voilà. Est-ce qu'il y avait une carte? Je voulais savoir s'il y avait une carte. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de carte, voilà. Mais voilà, j'avais adoré ce livre-là. Il me fallait absolument dans ma bibliothèque. Et l'attente pour le deuxième tome va être très longue. Voilà. Donc, prochain livre. Je vous garde des livres que j'ai pas lus pour la fin, en fait. Voilà. Ouh! J'ai commandé The Deal de Elle Kennedy. Je vous ai pas fait encore mon avis sur ce livre-là. Voilà. Je vous en ai pas fait encore parce que je l'ai lu au tout début du mois de mai. En fait, c'est un livre qui est auto-édité par l'auteur. Donc,
Voilà, il était quand même assez cher, mais comme c'était un coup de cœur, je pouvais pas faire autrement. Il fallait absolument que je le prenne, voilà. Et mon Dieu, il en a écrit des livres! Oh! Je savais pas, hein? Bon, Off Campus. Voilà, c'est The Deal, c'est le premier tome de la série Off Campus. C'est vraiment, ce livre-là a eu des super, super, super bons avis en anglais. Il est enfin arrivé sur Amazon Canada, parce qu'il était juste disponible sur Amazon États-Unis. En fait, ça m'aurait coûté quand même plus cher si je l'avais commandé là, donc j'essayais d'attendre. Et quand je l'ai vu qu'il y en avait deux copies disponibles sur le site, j'ai fait, bah, je le prends parce qu'il est magnifique. Il est quand même assez gros. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, en fait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas la couverture. Moi, je l'aime bien. C'est pas nécessairement à cause de ce monsieur juste ici, mais c'est le fait que ce soit noir et blanc, et voilà, avec juste le titre en couleur, j'ai trouvé ça quand même assez classe. Voilà. Voilà. Ensuite, je passe aux deux livres que je n'ai pas lu encore. J'ai envie de voir. Ben, il en reste un. Donc, deux prochains livres. Il s'agit de Invaded de Melissa Landers, qui est le deuxième et dernier tome de la duologie Alienated. Donc, je n'ai pas lu ce livre-là encore. J'avais très très hâte de l'avoir entre les mains pour compléter ma collection. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Tout de même assez ordinaire. Voilà. Oh, non, je croyais que c'était argent, mais c'est juste gris. Une déception. Donc voilà. Oh, ça fait trop de livres. J'en ai trop. Mon Dieu. Donc voilà, celui-ci. À lire très bientôt, je l'espère. Et finalement, un deuxième tome de série. Magnifique, encore une fois. Magnifique, magnifique. Il s'agit de The Winner's Crime de Mary Rutkowski. Rutkowski? J'ai entendu des personnes dire Rutkowski et d'autres Rutkowski. Donc, je ne sais pas comment le nom de famille de l'auteur se prononce, je suis désolée. C'est un livre fantasy que j'avais beaucoup aimé. J'avais commandé le premier tome sur BookAthlète il y a quelques temps. Je l'avais lu aussi en début d'année et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je m'étais dit, je vais attendre son arrivée sur BookAthlète. Mais après ça, je me suis dit, peut-être qu'il arrivera jamais. Ça va peut-être aller dans un an. J'avais envie de l'avoir tout de suite dans mes mains. Il est juste magnifique. J'ai très, très hâte de le lire. On va aller voir. Non, toujours si ordinaire. Bon, encore une fois, hein, il y a une petite gravure ici, mais vous ne verrez absolument rien. Voilà. Comme d'habitude, j'essaie de vous montrer ça, puis vous voyez jamais rien. Donc, voilà, c'était le dernier livre. Voilà. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Eh bien, voilà, c'est ce qui conclut mon bocal du mois de mai. Mon deuxième bocal du mois de mai. Parce que je ne vous en avais pas assez présenté, en fait, dans la première partie. Attendez un petit peu, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16. Je vous avais présenté 16 livres dans mon book haul partie 1. Et là, je vous en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait un total de 40 livres. Oui. Environ un petit peu plus que 30 dans ma palle. Je l'avais dit que je dépasserais les 30, mais je pensais pas que je me rentrais à 40. J'ai honte, je crois. Je pense que j'ai honte, c'est épouvantable, j'en ai jamais acheté autant. Mais j'espère que vous avez apprécié, parce que moi je suis entourée de livres, je suis au paradis des livres en ce moment. Donc voilà, c'est enfin tout pour cette vidéo-ci, j'espère que vous avez apprécié. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! I was broken, I was choked.